Après leur participation à la formation de la licence C de la Confédération africaine de football en ville de Goma, deux entraîneurs du centre de formation des jeunes Nyiragongo ont remis officiellement leur diplôme au président sportif du club, Chabani Ramazani, ce mercredi 15 novembre 2023. Nous avons été envoyés par notre président, M. Chabani Ramazani, pour la formation de la licence CECAF qui s'était passée ici à Goma pendant un mois. Je suis coach de l'école de foot Nyiragongo. Le président nous a envoyé pour faire une formation ici à Goma pendant un mois de la licence CECAF. Alors nous sommes venus pour lui remettre les diplômes. Kaourou Assimira et Lucette et Amini Hassani Mustafa ont satisfait à l'école du savoir durant un mois aux côtés des 30 autres entraîneurs de la partie orientale du pays. Un ouf de soulagement pour le président sportif Chabani Ramazani. Comme venait de le dire mes deux entraîneurs, 17 au 31 août 2023, deux de nos coachs, je dis bien deux de nos coachs, ont participé activement à une formation organisée par la Confédération africaine de football, CAF en sigle, sous le leadership de leur coordonnateur technique, qui en même temps le directeur technique provincial de notre province. Le FC Jeune Nyiragongo a tenu à faire participer ces deux coachs, parce que vous savez que former un coach, c'est former plusieurs joueurs au même moment. C'est ce que le centre de formation des jeunes de Congo a tenu à le faire. Et si nous avons fait ça, c'est pour que dans le cadre de notre mission de l'école de foot de Congo, nous formons bien sûr les joueurs. Mais pour que les joueurs soient bien formés, il faut que les encadrés soient d'abord au premier plan être formés. Les deux entraîneurs vont une fois de plus apprendre aux côtés du doyen Jean de Dibaloukou, coordonnateur du centre de formation des jeunes Nyiragongo. D'abord, à remercier le président de notre centre, M. Chabani Ramazani. Il s'est toujours donné la peine et l'effort de nous former. Ce n'est pas seulement les deux entraîneurs qui viennent de recevoir leur licence CECAF, mais moi, il a toujours participé à ma formation. Quand j'étais formé à Kinshasa, c'est toujours notre président qui tient toujours à nous favoriser. C'est pour donner la valeur à notre centre. Et je tiens à le remercier puisqu'il ne cesse pas à se donner toujours de cette façon-là, puisque nous avons aussi d'autres encadreurs qui attendent cette formation. Puisque si l'école de foot a des entraîneurs qualifiés, vous allez trouver que les joueurs vont présenter un bon football par rapport à notre formation. Créé en 2004, le FC Nyiragongo est une rare école de football qui fait la fierté du Nord Kivu au pays en football.